Deuxième danse, c'est une chorégraphie de niveau novice, niveau 2. Elle s'appelle Temple Bar. Temple Bar. C'est une chorégraphie de Karen Kennedy sur une musique de Nathan Carter. Ah oui, je suis, j'aime bien. Alors, c'est une chorégraphie de 32 pontes, 2 murs, et il y a un tag avec les stars en fait. Voilà, on y va? Alors, on commence en dépoint du corps sur le pied gauche. Donc, on va faire pointe à droite et pointe à gauche. Étalon droit devant, étalon gauche devant. Et j'ai refait. Donc, ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4 et j'ai refait 7 et 8. Pointe, étalon, étalon et pied droit devant. On pivote d'un demi-tour, on arrive pointe du corps sur le pied gauche. Et pied droit devant, et on pivote d'un quart de tour. Donc step demi, step quart. Okay, je refais. Pointe et pointe. Donc pointe à droite, et pointe à gauche. Étalon droit, étalon gauche. Et pied droit devant, demi-tour. Et pied droit devant, quart de tour. On finit pointe du corps sur le pied gauche. Encore au début. 7, 8, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. La suite, on va repointer à droite. Et on repointe à gauche. Et on déploie du corps sur le pied gauche. On fait un kick ball step. Donc kick droit, ball step gauche devant. Ok? Kick ball step. Quand je dis ball, ça veut dire qu'on est uniquement sur l'avant du pied droit. Ok? Kick ball droit, step gauche devant. Je refais pointe et pointe. Pointe à droite et pointe à gauche. Et kick ball step. Ensuite, rock step gauche droit. Rock step droit devant. On revient sur le pied gauche. Et on fait un triple demi-tour, 4 à 100, 4. Okay? Je refais pointe et pointe. Pointe à droite, 7, 8, pointe, et kick, ball, step et rock. Step et triple demi, depuis le début. Pointe et pointe, 7, 8, pointe, étalon, étalon, et step, demi-tour et step. Pointe, et kick, ball, step et rock. Step et triple de. Encore avec les comptes. Pointe et pointe. 7, 8, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, et 8. Ensuite, on va faire un cross rock. On croise le gauche dans le pied droit. On revient. Pas chassé à gauche, pas chassé. Cross rock encore. Cross, rock et pas chassé à droite. Je refais du compte là, cross rock, 7, 8, cross, rock et pas chassé, cross, rock et pas chassé. Au début, pointe et pointe. 7, 8, pointe, étalon, étalon, et step, demi-tour, et step, quart de tour, pointe, et kick, ball, step et rock, step et triple, demi et cross, rock et pas chassé, cross. Ok, pas chassé. Alors au début avec les comptes. Pointe et pointe. 7, 8, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, et 8. 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8. Alors là, on est poids du corps sur le pied droit. On va faire un stellar step du pied gauche. Stellar step. Ensuite, stellar step droit avec un quart de tour à droite. C'est la carte. Et pour finir, on fait un rock step gauche devant. On revient sur le pied droit. Et triple gauche demi-tour, triple demi. Et c'est fini. Voilà. Alors, je vais reprendre du stellar step. Stellar step du pied gauche. 7, 8. C'est la step droit. C'est la carte de tour. Et rock. Step et triple demi. Bien. Depuis le début. Pointe et pointe. 7. 8, pointe, étalon, étalon, et step, demi-tour, et step, quart de tour, pointe, et kick, ball, step, et rock, step, et triple, demi, et cross, rock, et pas chassé, cross, rock, et pas chassé, c'est leur step, et c'est leur carré, rock, step, et triple, demi. Bien, le deuxième mur, c'est parti, côté pointe, 7, 8, pointe, étalon, étalon, et step, demi-tour, et step, quart de tour, pointe, et kick, ball, step, et rock, step, et triple, demi, et cross,
croquer, pas chasser, croquer, pas chasser, c'est leur step et c'est leur carré, croquer, step et triple demi. Bien. Et deux murs à la suite, on y va. Pointe et pointe, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7, 8, 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6, 7 et 8 et cross, croquer, pas chasser, cross, croquer, pas chasser, c'est leur step et c'est leur carré, croque, step triple demi, pointé, pointe et talon, et step demi-tour et step quart-tour, pointé, pointé, qui vole, step et croque, step triple demi et cross, croquer, pas chasser, cross, croquer, pas chasser, c'est leur step et c'est leur carré, croque, step triple demi. Bien, voilà. Alors il y a un tag. Le tag, il est au 6e mur, il est au milieu de la danse, au 16e compte. Alors on va faire le... Je vous montre le tag déjà, on le fera au mur 6. Donc le tag, il est au milieu de la danse. À un moment donné, on fait cross, rock, pas chasser, cross, rock, pas chasser. Donc en fait, c'est juste à ce moment-là où on fait le tag. À la place de faire cross, rock, pas chasser, on fait cross, rock, et triple quart de tour, et step demi-tour. Ok, c'est, on change le, après le 16e compte. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le 6e mur. Le 6e mur, il commence à 6h. On va reprendre donc, le début de la danse et je vous dirai quand ce sera le tag. On y va, pointe et pointe. 7, 8, pointe, et talon, et step, demi-tour, step, 4, pointe, et kick, vol, step, et rock. Step et triple, demi, donc c'est là où ça change. On fait cross rock, triple quart. Et on fait step demi-tour, pied droit devant, pivot demi-tour, et restart. Ok? Donc en fait, on fait 6 comptes. Donc je répète, on était ici pour le tag. Au lieu de faire cross-rock, pas chasser, on fait cross-rock, triple quart, step demi-tour, et on reprend au début, pointe et pointe. Ok? Ça va? Donc c'est le 6e mur. Puis en 6 et 7, on les commence tous les deux à 6h. Voilà. Bien, alors une petite note aussi, il n'y a pas d'intro. Donc ça démarre tout de suite, il n'y a même pas eu de